La voilà. Il faut juste que je trouve comment monter là-haut. Attends, attends. Je peux tirer sur le verrou. Bien visé. T'avais déjà fait ça avant ? Ouais, une ou deux fois. Je sens pas trop. Pourquoi tu me laisses pas passer le premier ? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé sur le parking là-bas. Mais crois-moi sur parole, ces gens-là ne seraient pas passés par-dessus la clôture électrifiée. Je les connais bien. Et si Jim est là-dedans, il nous laissera entrer. Jim ? Jim, le vigile de Médin ? Celui qui a failli me coller une bastos la fois où je suis venu te chercher ? C'était il y a longtemps et beaucoup de choses ont changé depuis. Ouais, et pas en mieux. Sarah Irene Whittaker, matricule 2007659. Bonjour, Sarah Irene Whittaker. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Iron Butte. Votre dernière connexion remonte à 7 minutes. Veuillez patienter. Ah, tu vois ? Il devait y avoir un bug pour les autres portes. T'es prêt ? Cours, tu disais ? Ouais. Ce monde m'a appris deux choses. Se fier à personne, s'attendre au pire. Reste ici pour me couvrir. C'est ton max pour les occuper. Ça marche. Je te fais signe quand la voie est libre. Envoyez des unités au local technique. Hey, c'est à l'occasion de flinguer ces putains de haut-parleurs. Te gêne pas, sa voix me tape sur le système. 100% d'accord. Arrêtez de tirer! Qui que vous soyez! Je suis accrédité à être ici! Vérifiez dans la base de données! Je m'appelle Sarah Whittaker! Chercheuse spécialisée! Matricule 2007659! Regardez dans l'ordinateur! Putain, mais vous m'entendez? J'ai une accréditation! Parente pour moi! Hé! Vous m'écoutez? J'ai bossé pour Cloverdale! C'est bon! Alerte! J'arrive! Alerte! Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités au local technique. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. C'est bon. Il faut monter ces escaliers et traverser la passerelle. D'accord, je te suis. Alerte. La police. C'est bon. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Ok. Alerte. Alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs C'est coups fermé. De feu ont Attends. Été tirés. Sarah Irene Whittaker, matricule 2007659. Sarah Irene Whittaker, le complexe Cloverdale est en quarantaine suite à une brèche de sécurité. Je répète. Désactivation. Matricule 2007659. Le protocole de sécurité Alpha 761 a été désactivé. Bon sang, mais tu vas la fermer ? Je doute qu'ils aient bloqué les portes à l'intérieur. T'es prêt ? Ouais, mais cette fois, laisse-moi passer devant. Eh, cette fois, on y va alerte, ensemble. Alerte. Alerte. La police a été contactée. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Merde. Des snipers sur le toit. Alerte. Alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités au local technique. Il en vient d'autre. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Alerte. Alerte. La police a été contactée. Les Sarah Irene Whittaker, matricule 2007659. Désactive la sécurité. Et ta putain de synthèse vocale. Je suis prêt. Allez.
Alerte. Ouais. Alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Jim, envoyez attendez une unité au local technique. Quel connard. Comme tu disais, des tas de choses ont changé. Vérifions que la voie est libre. Ouais, je suis dessus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. Rien par là. L'usage de la force est autorisé. RS. Pareil ici. Alerte, alerte. La police a été contactée. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Ok, c'est bon. Alerte, alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités au local technique. Bien, essayons cette porte. Sarah Irene Whittaker, matricule 2007659. Désactive la sécurité et ta putain de synthèse vocale. Accès refusé. Sarah Irene Whittaker, votre accréditation a été révoquée. Avertissement. Veuillez consulter un administrateur pour assistance. Oh, connasse ! Hey, de toute façon, passer par là, c'était la mort assurée. Il y a une pluie de balles qui nous attend de l'autre côté. Non, alerte. Il nous faut un meilleur plan. La police a été ah ouais contactée. Marche, t'écoute. Les forces de l'ordre sont en route. Je sais pas, moi. On peut accéder au toit d'ici ? Par ici. Il y a un rebord ici. Alerte. Tu devrais alerte. Pouvoir escalader le bloc ceci de pin pour atteindre le toit. Alerte de niveau 4. Tu devrais plusieurs pouvoir escalader, tu veux dire. Envoyez écoute, des unités. Je veux que tu montes là-haut pour faire un tir de couverture. Tiens-les occupés. Quand ils auront le dos tourné, je passerai par là pour les prendre par surprise. Ok, c'est un bon plan. Mais il y a un tout petit problème. Avertissement. Lequel ? L'usage de la force. La porte est fermée. Tu te souviens ? Avertissement. Oh merde. L'usage attends. De la force. Attends, j'ai une idée. Laquelle ? Alerte, alerte. La police a été contactée. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Pose la main sur ce lecteur. Alerte. Quoi, qu'est-ce que tu alerte. Fais ? Ceci ouais, je suis dans le système. Ok, ils ont tout bouclé, mais ils ont oublié les codes d'admin. Depuis ce poste, je peux émettre un code d'accès temporaire. Voilà ton code. T'es prêt ? Ouais. Ton nom complet plus le matricule 5429009. T'as retenu ? 5429009, c'est ça ? Ouais, on y va. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Ok, attends. La police a été contactée. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Alerte, alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités au local technique. Prêt ? Ouais. C'est bon ? Ouais. Attends que j'ai détourné leur attention et fonce. Avertissement. Hey, l'usage de la force est autorisé contre les intrus. Tu rigoles ? Avertissement. En ce moment, l'usage je de la force est autorisé. Ok. Vas-y. Alerte. Alerte. La police est... Jim Moore ! Je sais que vous êtes là ! Moi de jouer. Répondez-moi, bordel ! C'est Sarah Whittaker ! Je travaillais ici, vous vous souvenez ? Jim ! Deacon Lee Saint-John. Matricule 5429009. Allez là-haut ! Deacon Lee Saint-John. On n'est pas obligé de parler là ! Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Aerotute. Allez, chante-la ! C'est votre première identification. Jim, écoutez-moi ! Désactive la synthèse vocale. Allez vous faire foutre ! Vous auriez dû partir en avant, quand vous le pouviez ! Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Il est cuit ! Qu'est-ce que tu fous, putain ?
Il m'a touché. Il l'a eu. Alerte, alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. C'était le dernier. Envoyez des unités au local technique. Bouge pas. Je te le ramène. Ok. Tous ces morts qui sont là dehors, Jim. Vous leur avez collé une balle dans la tête. Je vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui vous a pris, hein? Qu'est-ce qu'ils voulaient, au juste? Seulement rejoindre leur famille, les ramener ici, peut-être. C'était hors de question pour vous. On pouvait pas prendre ce risque. Debout. Attendez. Je peux pas. Me forcez pas. Jim, je vais compter jusqu'à 3. Non. 1. Vous comprenez pas. 2. Écoutez, faites pas ça. 3. Vous allez m'ouvrir cette putain de porte. D'accord. J'espère que vous savez ce que vous faites. Merci, Jim. Oui, on sait très bien ce qu'on fait. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Relâchez-moi. Désolé. Mais on ne peut pas prendre ce risque. Viens. J'ai aucune envie de rester ici. Tout est vrai. Je voulais pas y croire. De quoi tu parles au juste ? Ma faute. Je comprends pas. Ta faute ? J'aurais dû le voir arriver dès le départ. On cultivait du gingembre sauvage et des ceps de vigne. Et puis un jour, tout a changé. Ils ont tout verrouillé, ils ont révoqué mon accréditation. Oh, David n'arrêtait pas de me le répéter. Il me disait qu'il y avait un truc louche. Ok. Qui est David ? Doucement. David Gorman. Il était chercheur stagiaire. Tu sais ce que j'ai dit? Je lui ai répondu qu'on était une boîte pharmaceutique de pointe avec des milliards de dollars en jeu et qu'il valait mieux qu'il laisse tomber. Mais il m'a pas écouté. Il a piraté le système, il a passé le pare-feu et il m'a dit que c'était un genre de projet top secret ou un truc comme ça, je sais projet pas. Projet top secret, attends, il voulait, ralentis. Il voulait devenir le nouvel Edward Snowden. Tu comprends? Il voulait faire éclater l'affaire au grand jour. David Gorman dénonce une multinationale sans scrupules et sauve l'humanité. Tu vois le genre ? Et j'ai refusé de l'entendre, Deacon. Je lui ai répondu qu'il était parano. Du coup, il a dû s'introduire ici et piquer des échantillons de la saloperie qu'il fabriquait dans ce laboratoire. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai pu recoller les morceaux moi-même quelques temps après.
La nuit où je me suis fait poignarder, je suis allée au siège de Cloverdale à Farewell. J'espérais retrouver David, mais il n'était pas là-bas. Il était parti depuis 2 semaines. Il y avait une grande conférence sur l'environnement à Portland. Il a dû vouloir parler aux journalistes. Il l'ignorait sûrement, mais il devait déjà être infecté. Oh putain. Et 2 jours plus tard... 2 jours plus tard, toutes les personnes présentes à la conférence étaient infectées et elles ont pris l'avion pour rentrer chez elles. Et 1 semaine plus tard, 2,5 milliards de personnes étaient mortes. Sarah, écoute, ça peut pas être ta faute. Je veux dire, tu pouvais pas arrêter ça, tu non, pouvais pas empêcher... Non, tu comprends pas. Ces travaux, mes travaux de recherche ont participé à tout ça. Deacon, j'ai participé à tout ça. Ils se sont servis de moi. Une petite seconde. Quoi ? Le grillage électrifié, comment on l'arrête ? Les générateurs se trouvent dans un bâtiment près des serres. Pourquoi ? Ok. Je me disais juste, il y a de quoi manger ici. Je pensais contacter Boozer et Ricky par radio pour leur dire, histoire que les gens de Lost Lake le sachent. Est-ce que tu peux charger la bécane toute seule ? Ouais, bien sûr. Ok. Je serai pas long. D'accord. Local électrique, ouais, ça doit être ça. Thank you.
Et voilà le travail. Cramé, saleté. Reste plus qu'à forcer la porte. Merde ! Allez, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi ! Et voilà. Boozer, c'est Deacon. Réponds. Camp de Lost Lake, quelqu'un m'entend? Dick? Dick, c'est toi? Oui, Boozer, c'est moi. Eh, ça fait plaisir de t'entendre, vieux frère. Ça me fait plaisir aussi. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Le centre de recherche où Sarah bossait, celui près d'Iron Butte, et des Reapers, tu vois duquel je parle, ok? Bon, et écoute, il y a de la bouffe sur place. Tout plein de bouffe, du maïs. Transmets à Ricky et Iron Mike qu'ils envoient quelqu'un. Attends, tu l'as trouvé? T'as retrouvé Sarah? Ouais, je l'ai retrouvé. Boozman, je l'ai retrouvé. C'est... c'est génial, Dick! Et quand est-ce que tu la ramènes à Lost Lake? Non, j'ai pas le temps de t'expliquer pour le moment. Ouais. Dis-lui. Attention, ok? Prudence. Boozer. Boozer. Camp de Lost Lake, à vous. Ah, merde. Ici Lost Lake, à vous. Ricky. Bon, super, écoute. Dick? Oui, oui, c'est moi. Écoute, tiens... Je pensais pas avoir de tes nouvelles un jour. Iron Mike a dit que tu reviendrais pas. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a un centre... Tu l'as trouvé? Ouais, oui, je l'ai retrouvé. Ricky? Contente pour toi, Dick. T'avais raison, on a bien survécu. Alors pourquoi pas elle? Dick? Ouais, ok, écoute, il y a une ferme, d'accord. Il y a du courant, une clôture électrifiée. Clôture électrifiée? Et si tu veux venir... Boozer peut te guider, c'est là où Sarah bossait avant, près d'Iron Butte. Il se souviendra de l'endroit. Si tu viens, tu trouveras de la bouffe. Des quantités de bouffe. D'accord. Comment il va? Oh, bien, bien. Tu devineras jamais qui Iron Mike a nommé chef de la sécurité. Non, sérieux? Waouh, c'est génial. Bon, tu lui diras... en fait, oublie, je dois filer Ricky. Salut, Dick. Hé, tu sais quoi? Attends. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? D'allumer un cierge, t'avais pas tort. Je sais. Terminé. Saint John, ici Coury. Où vous êtes? L'un de mes hommes a signalé que vous avez passé son checkpoint au col de Tilsen. Oui, capitaine.
Il y a un centre de recherche à Iron Butte. Comme l'a dit Sarah, enfin le lieutenant Whittaker, il contient un équipement vital dont elle a besoin. Et on pouvait se le procurer que là-bas. Elle répond pas à la radio, le colonel veut savoir pourquoi vous n'êtes toujours pas rentré. Dites-lui qu'on est en route. Le colonel veut parler au... Désolé, capitaine, je vous reçois mal. On vous rejoint, Saint-John, terminé. Alors, tu lui as parlé ? À Boozer ? Ouais. Je lui ai dit qu'on allait tous les deux bien et que je devais filer parce qu'il faut qu'on essaye de traverser le col avant que le temps se dégrade. T'en penses quoi ? Je sais pas, ça se présente mal. Mais il faut quand même essayer, alors... On se met en route, d'accord? La voie est libre. Hey, tu viens manger un morceau ? Tous mes vêtements sont trempés. Excuse-moi. J'ai bien cru que je dégèlerais jamais. Tu voulais manger un truc, ou bien... Ouais. Le pire, c'est que j'ai même pas faim. Ouais, moi non plus. T'as froid ? Viens là, approche. Thank you.
Ça va? Qu'est-ce que t'as? Saint John, répondez. Ici le caporal Saint John. Quoi de neuf, capitaine? Je veux que vous rentriez immédiatement au QG. Retrouvez-moi à l'infirmerie. L'infirmerie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incident. J'arrive tout de suite. Bon, c'est quoi ce bordel? Lieutenant Whittaker, vous êtes là? Oh, merde, Sarah. Réponds, Sarah! Chier. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine? Le docteur Jiménez a été tué. Quoi? Le fils de pute. Pute. Il lui a tranché la gorge d'une oreille à l'autre. Taylor, est-ce qu'il a vu quelque chose? Tous les narcotiques du camp ont disparu. Taylor. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai affecté à l'infirmerie. Non, en fait, je veux dire, Taylor est un toxico. Vous saviez? De toute façon, c'est plus important. Le soleil qui se couche sur cette île se couche aussi sur la vie d'un grand homme. Le capitaine Arturo Jiménez. Doc, pour beaucoup d'entre vous, nous a quittés. Il nous a été arraché à la veille de notre grande victoire. Le capitaine Jiménez a été assassiné, massacré. Sa vie lui a été volée. Son sang détrempe encore le sol de la tente sous laquelle il trimait jour et nuit pour prendre soin de nos malades, de nos accidentés, de nos blessés. La pire des tragédies dans tout ça, ce n'est pas qu'un homme bon a inutilement perdu la vie, bien que j'en sois profondément écœuré. La pire des tragédies, c'est que cet homme était irremplaçable. Le docteur Jiménez était le seul médecin qualifié de toute notre compagnie, peut-être même du monde entier. Ce drame m'a ouvert les yeux. Je vois à présent l'énorme erreur que nous avons commise. Nous avons rempli notre arche de livres, de graines et de disques. Nous croulons sous les journaux médicaux, les livres de médecine et les encyclopédies. Mais quand cette terrible guerre sera terminée, qui pourra nous apprendre à les utiliser? Les journaux sont remplaçables. Les livres et les encyclopédies sont remplaçables. Mais le docteur Jiménez, notre seul et unique médecin, n'est pas remplaçable. Je me retire maintenant pour le pleurer en privé.
Je vous suggère de faire pareil. Rompez.